la sœur Marie, en plus de moi, de retourner, de sortir, aller loin, d'essayer d'aller chercher la part de Dieu. Et Dieu nous a fait grâce par les révélations, que ce n'était pas lui qui parle, et que nous étions égarés par un esprit qui conduit le Seigneur, le prophète Élie, qui veut nous associer avec le prophète Élie. Et je vais dire, ça n'a pas été facile. Jusqu'à aujourd'hui, même il y a d'autres, bon, ils avaient, bon, tout le, j'ai dit, tout le monde, par la grâce de tout le monde, a su que vraiment, ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui parle. Et le prophète, lui aussi, il est dans la fausseté. Mais c'est que le découragement a fait que lui ne soit pas là. Mais nous avons décidé que lorsque vous allez venir, reprendre par la grâce de Dieu, ils vont aussi revenir. Remercie le Seigneur. Merci Seigneur Jésus, sois élevé, sois magnifique, sois exalté, reçois l'honneur, reçois la gloire, reçois la magnificence, toi le vainqueur des vainqueurs, toi le victorieux dans les combats. Seigneur, nous t'élevons, Seigneur, nous te magnifions, Seigneur, nous t'exaltons, pour tes merveilles. Oh, quel merveilleux Dieu! Merveilleux Dieu est Dieu. Oh Seigneur Jésus, merci. Seigneur Jésus, merci. Reçois la gloire. Seigneur, reçois l'honneur. Reçois la magnificence. Oh Seigneur Jésus. Lui n'est comparable à toi. Lui ne peut se comparer à toi. Seigneur, tu as démontré ta puissance. Tu as démontré ta divinité. Tu as démontré que c'est toi le roi. Tu as démontré que c'est toi le Dieu. Reçois la gloire. Seigneur, reçois la gloire. Seigneur, reçois la gloire. Seigneur, reçois la gloire. Seigneur Jésus, reçois la gloire. Papa, nous te bénissons. Seigneur, nous te bénissons. Seigneur, nous te bénissons. Seigneur, nous te bénissons. Oh Seigneur Jésus, reçois la gloire. Oh nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous allons encore prier. Regardez ce que l'ennemi va faire. L'ennemi va faire de cette cellule un symbole de rébellion. Voilà ce que l'ennemi a fait. Mais Jésus-Christ s'est levé et il a agi, il a combattu pour que son règne redescende en ce lieu. C'est pour ça que nous allons prier encore. Nous allons demander, Seigneur Jésus, que ton règne descende à nouveau en ce lieu. Amen. Que ton règne descende à nouveau à la cellule d'athlétique Copain. Prions au nom de Jésus. Seigneur Jésus-Christ, ton nom, Papa, nous prions. Seigneur, que ton règne descende à nouveau. Que ton règne descende à nouveau à la cellule d'athlétique Copain. Que l'ennemi avait dispersé. Que l'ennemi avait déchiré. Oh, maintenant, Seigneur, ton règne descend à nouveau. Ton règne descend. Que ton règne descend. Seigneur, fais descendre ton règne. Seigneur, fais descendre ton règne. Fais descendre ton règne. Ton règne à nouveau dans ce monde. Seigneur, ton règne à nouveau dans ce monde. Oh Seigneur Jésus. Papa, ton règne. Ton règne. Ton règne. Ton règne. Ton règne à nouveau en ce lieu. Que ton règne descend à nouveau dans ce lieu. Que ton règne descend à nouveau dans ce lieu. Oh Seigneur Jésus. Ce lieu que l'ennemi avait déchiré. Ce lieu que l'ennemi avait déchiré. Seigneur, à présent. Seigneur, que tu règnes à nouveau en ce lieu. 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 Seigneur, règne à nouveau en ce lieu. Règne à nouveau en ce lieu. Seigneur Jésus, merci. Seigneur Jésus, fais descendre encore ta lumière. Seigneur, fais descendre encore ta lumière. Ta lumière, Seigneur. Ta lumière.
lumière, Seigneur Jésus. Ta lumière en ce lieu, Seigneur Jésus. Que ta lumière remplisse ce lieu. Que ta lumière resplendisse en ce lieu. Que ta lumière brille en ce lieu. Seigneur Jésus, ta lumière. Seigneur, ta lumière. Seigneur Jésus, ta lumière. Papa, ta lumière. Seigneur, ta lumière en ce lieu. Ta lumière, papa. Ta lumière, Seigneur Jésus. Papa, ta lumière. Ta lumière, Seigneur Jésus. Papa, au nom de Jésus, nous avons prié. Nous allons prier encore. Nous allons demander que le ciel s'ouvre à nouveau sur ce lieu. Que le ciel s'ouvre à nouveau et déverse la pluie de grâce et de bénédiction en ce lieu. Prions au nom de Jésus. Seigneur Jésus. Papa, Seigneur Jésus. Je la Jésus, nous avons prié. Amen. Nous allons prier. Alléluia. Amen. Nous allons prier. Tout esprit qui a reçu mission pour capturer la cellule d'Atéticopée, pour conduire les brebis en enfer, tout esprit de fausse révélation, tout esprit de fausse prophétie, tout esprit de semence de piton, que l'ennemi utilise pour détruire les brebis dans ce lieu, nous allons prier que la puissance de Jésus-Christ agisse pour détruire maintenant tous les plans de l'ennemi. Prions au nom de Jésus-Christ. Nous allons encore prier.
que le feu du Saint-Esprit descende pour consumer toutes les semences de fausses prophéties, les semences de fausses révélations répandues en ce lieu. Que le feu du Saint-Esprit descende pour les consumer. Nous allons implorer la grâce et la miséricorde du Seigneur. Et nous allons demander, Seigneur, tes brebis qui ont reçu ces semences, qui ont avalé ces semences, et qui sont en train de les ronger, et qui sont en train de les détruire, de les disperser. Seigneur, localise-les, papa. Localise chacun de ces brebis. Seigneur, localise-les. Et opère maintenant leur délivrance. Et quand on sent maintenant, les restaure. Prions au nom de Jésus. Seigneur Jésus, délivre-la.
Continuons de prier, Seigneur, guéris les brebis d'Assas qui sont malades à cause de ces semences, de ces semences, de ces poisons, de ces poisons mortels qui les rongent et qui sont malades tout le monde. Seigneur, guéris la guérison. Parce que dans cette situation qui a eu lieu, il y a eu des coupables et il y a eu aussi des victimes. Même les coupables sont aussi des victimes. Alléluia. Amen. À cause de quoi? À cause de l'ignorance. À cause de l'ignorance. Il y a un voile qui couvre l'homme. Et tant que ce voile est là, on fait le mal, mais on pense que ce qu'on fait est bien. Nous allons plaider. Nous allons plaider la miséricorde de notre Seigneur Jésus pour tous ceux ou celles qui ont été impliqués dans cette situation qui a conduit à la destruction de ces cellules. Nous allons plaider. Nous allons demander pardon, Seigneur. Fais grâce. Seigneur, ne rends personne coupable. Mais Seigneur Jésus, ta miséricorde est visible et pardonne-les. Prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, nous prions, Seigneur. Papa, nous implorons ta miséricorde. Seigneur, nous implorons ta miséricorde. Seigneur Jésus, ta miséricorde. Seigneur, ta miséricorde. Seigneur, ta miséricorde. Seigneur, ta miséricorde. Seigneur, ta miséricorde. Toutes tes brebis qui ont été, oh Seigneur, j'ai dû influencer dans cette situation. Seigneur, tu as dit, le scandale viendra, mais malheur absolu, pas que cela viendra. Oh Seigneur, épargne ce malheur, papa. Seigneur, épargne ce malheur. Seigneur, épargne le malheur de ce scandale qui est arrivé. Seigneur, épargne ce malheur. Seigneur, épargne cette malédiction. Seigneur, épargne ta colère. Seigneur, épargne, papa. Oh,
Seigneur Jésus, ta miséricorde, papa. Seigneur, ta miséricorde. Seigneur, ta miséricorde. Seigneur Jésus, ta miséricorde. Seigneur, ta miséricorde. Papa, ta miséricorde. Seigneur, ta miséricorde. Seigneur, ta miséricorde. Seigneur, ta miséricorde. Seigneur, Jésus, ta miséricorde. Seigneur, Jésus, ta miséricorde. Seigneur, Jésus, ta miséricorde, papa. Ta miséricorde. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia. Au moment où nous parlons, plusieurs brebis sont encore gardées captives par ce faux prophète déguisé en aïeau appelé prophète Élie Kofi. Au moment où nous parlons, il a réussi à capturer plusieurs brebis. Certains sont allés même jusque là-bas pour aller célébrer mariage. Un prophète impudique qui va célébrer ton mariage. Un prophète qui a le caractère d'un sorcier qui va célébrer ton mariage. Toi qui es dans la sainte doctrine, toi qui es dans la sanctification et qui va jeter beaucoup d'oreilles, tu vas jeter collant et suivre un faux prophète pour aller en enfer à cause de la séduction. Nous allons crier à Dieu. Nous allons crier à Dieu. Nous allons demander, Seigneur, tes brebis qui sont capturées par ce faux prophète appelé Kofi Elie, qui a pris la peau d'agneau, mais qui est venu détruire, capturer tes brebis pour les dévorer par la séduction. Seigneur Jésus, délivre tes brebis de ses mains. Seigneur, délivre tes brebis de ses mains. Prions au nom de Jésus. Seigneur,
Au nom de Jésus, nous avons prié. Nous allons prier encore. Nous allons demander. Seigneur, le feu que l'ennemi a éteint à Rédicopé, que ce feu s'allume à nouveau. Le feu que l'ennemi a éteint à Rédicopé, oh Seigneur, que ce feu se lance encore. Amen. Et s'enflamme. Et embrase la vie d'Adé. Prions au nom de Jésus. Nous allons prier pour notre sœur Maman Ruth, que le Seigneur, à qui le Seigneur fait grâce, de dédier ce lieu à Jésus-Christ. Mais l'ennemi s'est levé, mais aujourd'hui, Jésus-Christ a gagné. Amen. Nous allons prier pour son âme. Nous allons dire Seigneur, maintiens-la dans la vérité
jusqu'au son de la trompette. Amen. Maintiens-la dans ton alliance. Que rien ne la trouble à nouveau. Que rien ne branle encore sa foi jusqu'à ce que la trompette ne sonne. Prions au nom de Jésus de Nazareth. Bien-aimé Josué, que le Seigneur te bénisse. Amen. Est-ce que tu as une confession à faire? Parce que l'Esprit de Dieu est là. Et tout ce qui est arrivé, c'est vrai, l'ignorance a joué beaucoup de rôle. Mais aujourd'hui, si je te trouve en ce lieu, c'est parce que tu es convaincu que certainement tu as fait une fausse route. Et aujourd'hui, nous sentons que tu veux reprendre, alléluia, amen, la marche avec nous. Est-ce que tu as une parole de confession, une parole de regret pour que nous puissions prier aussi pour toi? Alléluia. Amen. Oui, je remercie le Seigneur qui m'a accordé la grâce d'être ici encore ce soir avec vous. Et qui nous a aussi amené en ce lieu pour restaurer la cellule. Je vais dire vraiment que c'est le Seigneur qui nous a rassemblés à ce lieu par le groupe Jésus revient. Et on avait démarré bien les choses par la grâce de Dieu et les choses allaient bien. Et je vais dire, si nous avons chuté à ce lieu, c'est par la prophétie et le prophète Élie. Vraiment, les choses étaient intenses. Et arrivé à un moment, on ne sait plus où est la vérité. Nous avons décidé de sortir et voir la lumière des choses. Parce que ce que la prophétie dit, il affirme que c'est vrai. Le moment où moi j'étais dépassé parce que je vois certaines choses et je dis non, il faut qu'on voit les serviteurs. Quand vous étiez arrivé, là l'esprit a dit non, que c'est de voir le prophète Élie. Et c'est nous sommes allés voir le prophète Élie, il a dit oui, que c'est l'esprit de Dieu. Et quand vous êtes venus, vous aussi vous dites autre chose, nous on dit non, on était troublés, totalement troublés. Nous avons dit non, et on va rester à l'écart pour voir la lumière des choses. Vraiment, après la division du prophète Élie et tout ce qu'il a fait, on n'était pas totalement convaincu. Et après ça, il m'a appelé. Il est parti à Côte d'Ivoire. Il m'a appelé. Que le prophète Élie. Oui, oui. Mm-hmm. Qui va venir avec sa femme et ses serviteurs. Et ils vont venir nous enseigner la sainte doctrine. Ce qu'on appelle que sainte doctrine, même qui vont venir. Ce n'est pas la sainte doctrine paralysée que vous enseignez là-bas. J'ai dit oh, oui, j'ai compris. Je n'ai pas refusé, je n'ai pas aussi dit. Et il a dit qu'il va me inséré dans son groupe qu'il a créé. Il a créé un groupe, il nous a inséré là-bas. Bon. J'étais là, il envoie les enseignements. Après, si je suis libre, je suis les enseignements. Jusqu'à ce que j'ai connu vraiment qu'il y a de faux enseignements. Là où il dit que l'enfant peut enseigner, autre chose, beaucoup de choses. Et j'ai dit non. Là, si c'est, il est dans le faux, vraiment, ce qu'on a dit est vrai sur lui. Et aussi, Dieu nous a fait grâce à connaître réellement que ce n'est pas son esprit qui nous parle ici. Parce que nous avons vu beaucoup de choses, il ne peut plus retourner en arrière pour dire des choses. Ce n'est pas l'esprit de Dieu, ni la chair, mais c'est un esprit qui domine la cellule. Et comme Dieu l'a dit dans sa parole, Apocalypse 2, le verset 5, connais là où tu as été tombé et repens-toi. Pratique tes premières œuvres. Nous avons lu le verset que le frère a donné. Et il va continuer, c'est très important. Parce que le Saint-Esprit
est réellement là. Il veut reprendre contrôle de son église. Amen. Amen. Souviens-toi donc d'où tu es tombé et repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, et moins, à moins que tu ne te répandes. Alléluia. Amen. Continue. Gloire à Jésus. Amen. Oui, comme la parole vient de le dire, bon, nous avons connu que bon, c'est le prophète Élie, à travers lui et la prophétie, qui nous a fait quitter le groupe Jésus le bien. Mais aujourd'hui, nous reconnaissons vraiment que la prophétie est fausse et le prophète Élie aussi n'est pas dans la vérité. Là, nous avons décidé de revenir. Voilà, Jésus. Moi, je veux des points clés qui vous ont vraiment touché, parce que vous voyez, beaucoup comme vous sont déroutés et sont actuellement dans ses griffes. Parce que le projet que lui a pour venir, je vous dis, c'était un projet vraiment machiavélique. C'était d'abord pour saccager nous les serviteurs de Dieu, nous enterrer. Tous les serviteurs de Jésus revient, nous enterrer. Je vous dis, les dégâts qu'il a fait à Cotonou, je vous dis, hein, plusieurs brebis sont spirituellement morts. Est-ce que celui-là, il a l'esprit de Dieu? Non. Non. Et dans plusieurs délivrances, l'esprit de Lucifer va parler de lui. C'est parce que nous ne voulons pas faire de parce que nous ne publions pas cette vidéo comme ça. Sinon, dans plusieurs délivrances, Lucifer va parler de lui. Celui-là, il n'a rigné aucune semence de la sainte doctrine en lui. Et il se fait passer pour un enseignant de la sainte doctrine. Il monte la chair et sa femme monte la chair. Alors que quand il était venu chez nous, dans quelques-uns de ses enseignements, il dit que non, la femme ne doit pas enseigner. Et quand il était venu chez nous, on lui a présenté la sainte doctrine que Jésus revient prêche. Et il a dit oui, c'est ça. Mais dans les coulisses, il va commencer à renverser. C'est le caractère même de Lucifer. Je vous dis la vérité. Et c'est Jésus lui-même qui s'est levé pour sauver son église, sinon c'était fini le réveil. Je vous dis la vérité. C'était fini le réveil. Il a détaché plusieurs brebis. Il a tué spirituellement plusieurs brebis. Il en a couché avec d'autres. Je vous dis la vérité. La sœur Dorcas qui est d'ici, vous ne savez pas qu'il a loué à Dorcas une chambre à part pendant une semaine. Et c'est lui seul qui va là-bas. Et il a le frère, le seul frère qui connaît le dossier. Il a fait jurer au frère de ne jamais le faire savoir à aucun de nous les serviteurs de Dieu. Est-ce que c'est un serviteur de Dieu qui peut nous conduire au ciel? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est un serviteur de Dieu qui peut nous conduire au ciel? Ça? Si je dis je suis dans la sanctification et je suis de tel serviteur de Dieu, c'est que mieux vaut aller même dans catholique. Mieux vaut aller même chez marabout. Parce que là, tu te trompes toi-même. Tu sais que la personne est faux, mais tu le suis. À cause de quoi?
parce qu'il sait bien parler, parce qu'il sait bien rire, parce qu'il sait bien séduire. Je vous le dis en vérité, en vérité. Nous avons été sauvés de justesse. Et c'est à genoux que moi je rêve pour bénir le Seigneur. Pour ce qu'il a fait pour son peuple. Il est venu avec tout ce qui est séduction. Séduction, séduction, séduction. Et c'était pour détruire. Mais Jésus-Christ s'est levé et le met hors d'état de nuit. Sinon, nous ne connaîtrons rien de tout ce qu'il a fait. Mais Jésus a tout dévoilé. Jésus a tout, tout dévoilé. Alléluia. Donc, mon bien-aimé, pour finir, dis-nous les points clés qui t'a marqué. Toi-même, tu es convaincu que ça là, c'est une voie erronée que tu as pris. Vraiment, avant, il y avait dit que je n'allais pas en détail. Comme vous l'avez demandé, je vais dire, il m'a inséré dans le groupe et par ses enseignements aussi, j'ai vu. Et vous avez dit tout à l'heure que sa femme monte. De sortir, aller loin, dans le Dieu, d'aller chercher la face de Dieu. Et Dieu nous a fait grâce par les révélations. Que ce n'était pas lui qui parle et que nous étions égarés par un esprit qui conduit le prophète Élie. Qui Dieu nous associe avec le prophète Élie. Et je vais dire, ça n'a pas été facile. Jusqu'à aujourd'hui, même il y a d'autres. Bon, il avait, bon, tout le, j'ai dit, tout le monde, par la grâce de tout le monde, a su que vraiment, ce n'est pas l'esprit de Dieu qui parle. Et le prophète lui aussi il est dans la fausseté. Mais c'est que le découragement a fait qu'ils ne sont pas là. Mais nous avons décidé que lorsque vous allez venir, reprendre tout par la grâce de Dieu, ils vont aussi revenir. Alléluia. C'est alléluia. Ce que je peux dire. Acclamons pour le roi. Peuple de Dieu, je vous le dis en vérité, en vérité. Le Seigneur Jésus-Christ, il est vraiment Dieu. Et rendons-lui vraiment la divinité. Rendons-lui vraiment la gloire. Parce que il connaît ses brebis. Il sait que quel que soit ce qu'on dira, le loup va s'introduire dans la bergerie. Ça là, c'est clair. Je vous dis, quel que soit ce qu'on fera, quel que soit ce qu'on dira, le loup va rentrer dans la bergerie. Mais le Seigneur nous a dit, il a permis que cela arrive au moins une fois pour nous servir de leçon, pour nous prévenir qu'ils vont encore venir et pour nous enseigner aussi. Parce que par tout ce qui est arrivé, le Seigneur nous a enseigné pour nous démontrer que les anciens ont réellement échoué. Son esprit, il a quitté leur rang. Le rang des prophètes théologiens de ce siècle-là, il les a quittés. Et maintenant, ce n'est que des jeunes enfants qu'il veut utiliser. Ce n'est que des jeunes qu'il veut utiliser. C'est pour ça que ce réveil-là, il a mis ça dans la main des jeunes. Mais un seul vieux qui est venu, voilà les dégâts qu'il a commis. Aujourd'hui, il y a des brebis de France qui sont dans sa gueule. Des brebis de l'Allemagne qui sont dans sa gueule. Et malgré toutes les démonstrations, avec preuves qu'on a présentées, ces brebis ont choisi de rester avec lui. Pourquoi? Parce que la Bible dit qu'ils ont reçu l'esprit d'égarement afin de croire aux mensonges. Sinon, ceux que le Seigneur a choisis, qu'il utilise pour vous, sans rien vous imposer, mais qui vous prêche ce qui est écrit ici, vous vous êtes détourné de ce qui vous est prêché pour suivre un autre évangile, tel que l'apôtre Paul dit dans le livre de Galates 1. Galates 1, à partir du verset 6. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé
par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Amen. Voilà ce qui s'est passé. La même chose s'était passée dans l'église de Galates, où les loups ravisseurs se sont introduits dans la bergerie pour commencer à semer. 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 On peut faire ci. On peut faire ça. On ne doit pas faire ci. On ne doit pas faire ça. Mais qui n'ont aucun rapport avec la sainte doctrine. Apôtre Paul informé est outré, dépassé. Et il s'est dit, mais hey, je m'étonne que vous vous détournez si promptement. C'est-à-dire, c'est trop vite. C'est trop rapide. Que vous vous détournez si promptement de celui qui vous a appelé. Ils se sont détournés de l'esprit de Christ. Appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Ils sont passés à une autre doctrine. Non pas qu'il y ait un autre évangile, parce que l'évangile est unique. L'évangile de Christ, c'est la bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle, c'est Jésus-Christ. Mais il y a des gens qui vous troublent. Ce qui s'est passé, c'était aussi passé hier dans l'église de Galates. Et donc, et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Et c'est l'objectif de cet homme qui est envoyé par Satan. C'est pour renverser le réveil. C'est pour éteindre le réveil. C'est pour mettre fin à la sainte doctrine. Je vous dis, mais Apôtre Paul dit, pour mettre en garde, il dit, mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Donc, tout ce que le Seigneur nous a enseigné, que nous vous portons, si quelqu'un vient pour vous porter un autre évangile contraire à la sainte doctrine, celui-là qui soit anathème. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète en cette heure, que si quelqu'un vous annonce un autre évangile que ce que vous avez reçu, qu'il soit anathème, ça veut dire qu'il soit maudit. Et plusieurs, malheureusement, ont suivi la voie de l'anathème, la voie de la malédiction. Comme certains ont suivi la voie de Balak. Je vous dis, peuple de Dieu, aujourd'hui, la lumière de Jésus est redescendue à Tite. Alléluia! Alléluia! C'est un coup chaos pour le diable. Amen. C'est un coup chaos pour lui. C'est un coup chaos. Parce que je vous le dis, le Seigneur Jésus-Christ, il est vivant. Il ne peut pas reculer devant le diable. Là où son nom est invoqué, il ne peut pas l'abandonner dans les mains du diable. Il ne peut pas. Il ne peut jamais. Donc, il est revenu en force. Amen. Alléluia. Il est revenu en force. Je vous le dis en vérité, moi, nous prions beaucoup pour notre sœur Rebecca. Parce que ce qui s'est passé par elle, elle-même, elle est innocente. Vous voyez, la semence était en elle. Et comme l'esprit qui donne les fausses prophéties en elle, c'est le même esprit qui a conduit le prophète Élie. C'est pour ça que ramène les exilés dans le réveil. Commençons par prier au nom de Jésus. Seigneur Jésus, ramène les exilés. Seigneur, ramène les exilés. Ramène les exilés. Seigneur, ramène les.
Seigneur, ramène les exilés. Seigneur, Jésus, c'est le retour, là du retour des exilés. Ce que l'ennemi a dispersé, Seigneur, ramène-le. Seigneur, ramène-le. Seigneur, ramène les exilés. Seigneur, ramène les exilés. Seigneur, ramène-les. Ramène-les, papa. Ramène-les. Pour qu'ils viennent de rendre un culte. Et qu'ils adorent, Seigneur. Seigneur, ramène. Ramène tes brebis qui sont exilés. Seigneur Jésus, ramène-les. Ramène-les dans ta maison. Ramène-les dans ta maison. Seigneur, ramène-les. Pardon, papa. Seigneur, ramène-le, papa, ramène-le. Seigneur, Jésus, ramène-le. Seigneur, ramène-le. Seigneur, ramène-le, je t'en prie, papa. Seigneur, Jésus, ramène-le. Ramène-le. Ramène-le, papa. Seigneur, fais grâce et ramène-le dans ta maison. Ramène-le dans ta maison, Seigneur. Je t'en prie, papa. Ramène-le dans ta maison. Ramène-le, ramène-le, ramène-le. Seigneur Jésus, ramène-le. Ramène-le, papa. Ramène-le. Ramène-le, Seigneur. Ramène-le. Qui revienne à la maison. Qui revienne en famille. Qui revienne à la maison. Qui revienne à la maison, papa. Qui revienne à la maison. Ramène tes brebis, Seigneur. Seigneur, restaure ton église. Seigneur Jésus, restaure ton église. Restaure ton église. Au nom de Jésus, nous avons prié. Nous allons prier aussi pour la sœur Rebecca. Nous allons prier, nous allons demander, Seigneur, de la même façon que ta grâce a visité ceux-ci, Seigneur Jésus, que ta grâce la visite aussi. Et que, Seigneur, toute confusion qui règne en elle, ou toutes sortes de honte ou bien autre chose que l'ennemi a mis en elle pour l'empêcher de revenir dans ta maison, Seigneur Jésus, visite-la cette nuit et délivre-la toi-même. Prions au nom de Jésus. Papa, je te dis, Seigneur, visite-la. Seigneur Jésus, visite-la. Seigneur, visite ta fille, Rebecca. Seigneur, visite-la, papa. Seigneur, visite-la. Seigneur, délivre-la toi-même. De toute confusion. Au nom de Jésus, nous avons prié. Au nom de Jésus, nous avons prié. Qui va conduire un bon moment de louange. Au moins 20 minutes de louange. Allant d'ici. Allant d'ici. Hein? Alléluia. Yes. Nous allons louer le Seigneur. Yes. Je suis délivré par la parole. Je suis délivré par la parole. Oh, par la main de Dieu, grâce à ta parole.
Thank you.
nous avons sa puissance, nous avons son pouvoir, nous avons Jésus, nous avons Emmanuel, nous avons sa puissance, nous avons son pouvoir, nous avons Jésus, nous avons Emmanuel, nous avons sa puissance, nous avons son pouvoir. Amen.
Seigneur Jésus qui est comme toi. Seigneur, oh magnifique Dieu, une fois encore, nous avons senti ta présence en ce lieu. Oh, nous avons crié à toi. Oh, nous avons appelé à toi et tu es descendu dans ton feu. Tu es descendu à nouveau à Téticopé. Et aujourd'hui, cette cellule se réveille. Amen. Cette cellule a repris le réveil. Amen. Le réveil est à nouveau dans ce lieu. Seigneur, gloire à ton nom. 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 Vous chassez les esprits d'égarement et toi-même tu tiens le contrôle de ce lieu. Seigneur, merci. Papa, Seigneur Jésus, nous te confions toutes choses. Reçois la gloire, l'honneur, la magnificence d'éternité en éternité. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Alléluia. Toi qui as dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés. Et tu as mis une source d'eau ici à Téticopé où va couler l'eau de la sainte doctrine pour abreuver tes brebis. L'ennemi a souillé l'eau. Mais aujourd'hui, tu es venu laver l'eau. Amen. Et l'eau est devenue à nouveau pure. Amen. Et ça peut, oui, ça peut abreuver tes brebis pour étancher leur soif. Amen. Seigneur, nous te bénissons. Amen. À partir d'aujourd'hui, papa, cette cellule devient cellule de vie. Amen. Amen. Seigneur, tout ce qui est mort, et qui va mettre pied ici reçoit la vie. Amen. Que cette cellule soit cellule de lumière. Amen. Que tout ce qui est pourchassé par les ténèbres et qui mettra pied ici reçoit la lumière. Amen. Seigneur, que cette cellule soit cellule de vitamine. Amen. Que tout ce qui est anémié et qui mettra pied ici reçoit de la bonne vitamine. Amen. Seigneur Jésus, tu les protèges. Amen. Tu les couvres par ton sang. Amen. Tes brebis qui sont éparpillées, dispersées, Seigneur, tu les ramènes un à un. Amen. Jusqu'à ce lieu-ci. Amen. Seigneur Jésus, papa, que ta grâce abonde dans ce lieu. Amen. Qu'il y ait l'esprit d'unité en ce lieu. Amen. Qu'il y ait l'amour profond en ce lieu. Amen. Qu'il y ait la paix en ce lieu. Amen. Qu'il y ait la joie en ce lieu. Amen. Seigneur Jésus, que les murs de cette maison soient barricadés. Amen. Et que aucun esprit séducteur ne franchit encore les murailles pour entrer en ce lieu. Amen. Grand Dieu, grand roi. Le jour où la trompette va sonner, papa, nous voulons voir toutes tes brebis d'activité qu'on peut monter dans ta gloire. Amen. Amen. Seigneur, fais-le cette grâce, Seigneur Jésus. Amen. Que le nom de chacun de chacune d'elles soit inscrit dans le livre de vie au ciel. Amen. Seigneur, tu connais leurs besoins, tu connais leurs difficultés, tu connais leurs faiblesses. Seigneur Jésus, visite chacun de papa. Seigneur, interviens dans la vie de chacun de papa. Seigneur, interviens dans leur projet, Seigneur Jésus. Papa, Seigneur, nous voulons rentrer. Seigneur Jésus, tu as encore de grandes choses à faire ici. C'est pour ça que tu nous as amenés. Alors, papa, accomplis tes merveilles, Seigneur Jésus. Et que toute la gloire te soit rendue. Amen.
Seigneur, que ce lieu te soit à nouveau consacré, papa. Non, Seigneur, ta servante, Seigneur, à qui tu as fait la grâce, Seigneur, d'offrir ce lieu. Papa, que tu lui donnes, Seigneur, quelque chose de spécial, Seigneur Jésus. Papa, que tu impactes sa vie, Seigneur. Amen. Qu'elle ne regrette jamais, Seigneur Alléluia. Jésus. Amen. Papa, merci. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. 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 Nous allons faire.